Bonjour à tous. Prochaine vérification. Une radio CB? Cobra! Cobra 29 limité classique. C'est une personne qui m'a amené ça parce qu'il me dit qu'il allume plus pantoute. Il a remplacé le fusible dedans, il l'a branché, mais ça allume plus. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher tout de suite un 12 volts là-dessus. On va te mettre mon petit bloc d'alimentation 12 volts. On va y mettre un ampérage assez élevé quand même. Là. Hein, 3 ampères. On va brancher le positif et le négatif. Cool. Il y a quelque chose qui est en court-circuit. Si je le branche, il est en court-circuit. Il y a un court-circuit dans la radio. Comment je vois ça? Je vais essayer de vous le montrer. Vous le voyez en ce moment avec la photo. Là. À la minute que je le branche, l'ampérage de mon bloc d'alimentation monte au maximum. Que j'y ai donné. Là. Il monte au maximum, puis le voltage tombe à zéro. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un court-circuit à l'intérieur. Donc, on va être obligé de l'ouvrir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Comment ça fait qu'il tombe en court-circuit comme ça? Puis pas à peu près, là. Le plus est là, le moins est là. Je sais que le client m'a dit qu'il avait joué avec ça. Le moins, le plus. Je veux juste m'assurer que ça, c'est parfait. J'aime autant mieux checker comme il faut. Celle-là. Donc, la tension est correcte. C'est vraiment dans la radio qu'il y a un court-circuit. Qu'est-ce qui s'est passé là? Chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas l'air à voir aimer ça. On va enlever le micro, là. Bon. On enlève ça. On va démonter ça. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Avoir un court-circuit comme ça, c'est sûr et certain que ça va être évident à voir. Là. Fait que, on va y aller avec ça. Avec un flashlight. Il y a une résistance qui a au studium, non? Non, il marque comme une diode. Il y a quelque chose de sauté là. Oh oui, c'est une diode. Il y a une diode de sauté là. Il y a quelque chose qui a explosé ici. Diode D23. Coudon, il a-t-il été branché à l'envers? J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé. Mon client l'a branché à l'envers par accident. Je pense pas que ça ait endommagé d'autres choses. Mais ça a fait sauter ça. Pas l'air d'avoir rien d'autre d'endommagé. En tout cas, je sais que c'est une diode qui va là.
je sais pas faire le numéro de modèle si je suis capable d'aller chercher un circuit de ça. Donc, dans le monde des CB, tout est disponible. Donc, je suis capable d'avoir le schéma électrique de ça, il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller l'enlever pour commencer, là. Les autres alentours, ça a l'air d'être tout bien beau. Oui. D23. Moi, c'est ça ici. Pas évident, là. Ah, je tombe en plein dessus. J'ai juste décidé de tomber à terre. Eh oui. Eh. Et voilà. Bon, je prends une diode standard comme ça. Je devrais faire l'affaire sans problème. Allez mener ça là, Star. Et la placer, la petite moule. Et voilà. Sur ça là. J'achète la soudure. Et voilà. Toi un petit peu. Ça paraît plus. On va rebrancher ça pour voir si ça allume. Pour être sûr qu'il n'y a pas de court-circuit aussi. Négatif. C'est revenu à vie. Et voilà. Donc ça prenait juste ça. Bon, ben finalement, un couteau de brancher, oups, ça arrangera pas pour les circuiter. Et voilà. La marche numéro 1. Tout est beau. Merci.